Je suis tombé dès l'âge de 15 ans dans cette discipline et ensuite, je ne l'ai plus jamais quitté. Ce qui m'a tout de suite attiré, c'est ce champ des possibilités illimitées. L'exigence mentale, le sens du détail et le mélange physique et artistique que ce sport demande. Au final, c'est surtout dans la tête que tout se joue. Être capable de rester concentré, de gérer sa respiration, d'accepter d'être quasi en apnée durant les figures et garder son équilibre tout en étant pendant quelques minutes en perte de repère. Psychologiquement, il faut être prêt à se remobiliser et oser se relancer même après un trix raté ou une mauvaise chute. Le BMX Flatland, ça reste un tout petit milieu. Et c'est un milieu de connaisseurs avec une mise en lumière limitée. Mais d'une passion dévorante, je me suis rapidement posé la question d'en faire une carrière professionnelle. On m'a vite dit que c'était quasiment impossible d'en vivre. Et c'est justement ce défi qui m'a boosté. Je voulais me prouver que je pouvais le faire. J'ai bossé, multiplié les entraînements, les moments de doute, les moments de satisfaction, les shows, les échecs, les réussites, les sacrifices et les heures de sommeil en moins. J'ai tout donné pendant plusieurs années en gardant toujours en ligne de mire mon double objectif. Vivre de cette discipline et la faire découvrir au plus grand nombre. Aujourd'hui, je me considère plus qu'un sportif. Même si j'ai besoin de l'adrénaline des compétitions, j'essaye d'innover pour valoriser toujours plus cette discipline. Je crée du contenu sur les réseaux pour la rendre plus abordable, j'essaye d'innover dans les shows et de trouver les petits plus qui feront la différence et permettront de me démarquer et mettre en lumière mon sport, pour que les gens regardent avec admiration le BMX Flat comme moi je le regardais quand j'étais gamin. Je m'appelle Kevin Meyer et je suis pro-rider en BMX Flatland.